Salut les geeks et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des Sanctuaires de Zelda Breath of the Wild. Aujourd'hui on est tout en haut, je ramasse ma feuille parce que j'ai fait tomber, hop, j'en ai là, pour... Ouais, c'est bazar, voilà. On est tout en haut là, regardez. Hop, ici sur l'île de Tiglen, pour un sanctuaire qui est caché. Je vais vous montrer ça. Alors, ça on s'en moque. Alors voilà, ici, donc y a des... Comment ça s'appelle? Ah! Des gardiens, mais volants. Donc, évitez-les un maximum. Et là, on a cette petite plateforme-là qu'il va falloir soulever. Alors, voilà ce qu'il faut en plus. Donc, je vais prendre des baudruches au tout. Normalement, ça devrait marcher avec ça. On va tester. Hein. Hop là! Ciao la plaque! Vous allez dans le trou, et voilà. Sanctuaire de Camus. Camou, je sais pas comment ils le disent. J'étais mignon, hein, tu le avec les petits ballons au couteau, là. J'aime bien, moi. Petite baudruche. Où ça a dû retomber? Non, ça va. Ah oui, bah voilà, ça y est, j'entends entendu péter. C'est juste là. On a eu les petits éclatements. Allez, on va descendre dans ce sanctuaire, on va voir ce qui s'y trouve. Voilà, on est arrivé dans le sanctuaire, l'ascension après la chute. Sanctuaire de Camus. Camus. Alors, on a des petites plateformes, comme vous avez pu le voir. Voilà. Donc, faut qu'on se propulse là-haut. Regardez ce qu'il y a là-bas. Il y a un gros carré. Alors, on va tirer, non, on va tirer une flèche enflammée. Alors, est-ce que ça enflamme tout? Non, ça enflamme pas. Sur la corde de la tête. Voilà. On n'avait pas besoin d'une flèche enflammée. Hein. J'en ai pas mal, ça. Hop! Propulsé. Voilà. En soi, le sanctuaire est fini. On a vu, on a rayé. Donc, c'était super simple, hein, rapide. Hein. Mais j'aimerais bien aller chercher le coffre, là. Ah! Loupé! Donc, bah, même principe, hein. On prend ça. On le met là. Voilà, on a fait descendre. Voilà. On va reprendre le gros pavé. Puis on va le monter assez haut pour pouvoir nous propulser. Hein. Je vois rien avec cette planche. Voilà. Normalement, il faut courir et sauter au bon moment. Voilà. J'ai réussi. Pour un diamant brut. Oui, non, je prends. Je prends un diamant brut. Voilà. Il y a un doute, il n'y a pas d'autre coffre. Non, il n'y a rien. C'est bon. Hop là, petit sanctuaire fini. C'était rapide, hein, c'est sympa. Le plus chiant, c'est d'aller jusqu'à l'endroit du sanctuaire, en fait. Et c'est assez galère. Surtout que là, la map, bah, je ne l'ai pas totalement découverte, donc non, c'était chiant. Voilà. Emblème du triomphe, encore un autre, on en a 12. Mon devoir est désormais accompli. Moi aussi, mon devoir est désormais accompli, voilà, pour ce sanctuaire. Un peu éloigné, un peu en dehors de la map, mais bon, voilà, on l'a trouvé, il n'y avait aucun problème. Il était assez simple, vous avez vu, on met les octoballons, là, les petits ballons là qui permettent de soulever la plaque, ou vous là, je pense que avec je sais plus, Cinétis, je crois qu'avec c'était lequel qu'il faut, je sais plus, là. Je vais vous dire une bêtise, alors je préfère regarder avec Cinétis, c'était bien ça, vous figez, vous tapez et puis bah, ça la propulse, mais bon, moi, je trouve plus sympa avec les petits ballons. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires, un maximum de vues parce que moi ça me fait plaisir, vraiment un max de vues, faut y aller. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, bien sûr, si vous venez de découvrir, abonnez-vous, il y a plein de sanctuaires, il y a plein de choses que je propose, donc faites-vous plaisir, et puis bah, sur ce, à bientôt dans une prochaine vidéo, ciao.